deuxième série avec Christophe Carniette qui a essayé de prendre le hot shot pour le pilote numéro 19. On a le soleil en face hein, et le cirque qui se lève. Florian Guignou hein, qui est 1, 2, 3, 4 en quatrième position. Il y a Kelly Guillard également qui est là en troisième position. Florian Guignou donc la quatrième place et Bruno Gasguen pour la cinquième place. Alors que pour la fin de course, hein, c'est le quart numéro 21 et 38 qui revient. Ça, tout à fait, le quart numéro 21 avec Guazzi et Mkarel et donc Arnaud Izard, pardon, ouais, voilà, c'est les jeux, point de vue avec le soleil. Le quart numéro 38, Arnaud Izard. La tête de course pour l'instant avec une vingtaine de mètres d'avance qui sépare de la première jusqu'à la troisième place. Et ça déroule, hein, ça déroule fort. Pour le cirque de Turon 321, qui lui bien fait le forcing sur Christophe Carniette, le cirque numéro 19, et puis sur Kevin Bigard, hein, le cirque numéro 12, on n'a rien changé pour le trio 7, donc bien engagé, et Florian Guignou et reste là en observateur. Ah, moi que Florian va peut-être pouvoir regagner une place non, pour la quatrième troisième et quatrième place. Absolument pas. Florian Guignou reste en quatrième pour l'instant. Voilà, il va rester un tour maintenant pour l'ensemble des pilotes. Un tour pour les signes à victoire pour Julien Jäger. On est désormais très très loin pour ceux qui sont la cinquième et la sixième place. Hein. Voilà, avec le numéro 20, déjà distancé. Le quart numéro 21 avec Karel Gauthier. Alors, ça va se jouer avec Christophe Gardiès, est-ce qu'il va être capable de revenir avec un numéro 19 en seconde position? Non. Ça ne sera pas possible, en tout cas pas d'erreur de pilotage pour le pilote 321, Julien Guéguin, qui a assuré tranquillement sa position de leader obtenue dès la tête, dès le début de course, d'ailleurs dès le premier virage et le premier anneau bourronné à boucler. Il y en aura 4 aujourd'hui dans les séries de qualif. Et donc, Moron, des rues Paul Mollion. Alors, n'hésitez pas en tout cas à venir déposer dans l'urne qui est juste à côté de la sonorisation votre petit pilote tombola. Voici le Pama. Ah, c'est Florian Guignou. Ben voilà. Voilà, comme je l'avais dit, hein, c'était à prévoir le carton numéro 5 qui va être à la bagarre lui aussi parce qu'il a bien vu que Julien Bernard avait gagné sa manche et voilà, il a la pression. Florian Guignou, il est allé tout droit. Il est allé tout droit. Florian Guignou, l'adversaire direct de Julien Bernard. Pas mal là sur le duel. Attention, on a failli monter de nouveau. Hein. Allez, les pilotes qui sont au taquet parce que il faut des points, il faut aller chercher la finale. Et Christophe Carniette le fait aisément. Kevin Bigand également. Ce sont des pilotes qui ne rentreront pas en tout cas sur le classement général. Ils sont là pour la grande bagarre de l'étape. L'étape du match ce soir remportée ici à Moron. Avec Julien Guéguin, tout va bien pour le
121, mais attention, monsieur Cardiot n'a rien lâché, on le connaît. Là aussi, on va falloir être vigilant. Oh, parfaite glisse pour ressortir avec pleine puissance et de rentrer dans cette ligne droite. Alors que monsieur Ligand est déjà loin. On est déjà plus dans la course des premiers. On est déjà pas dans la bagarre de la rivalité. C'est Karel Kasben qui vient de passer une pilote au féminin. Cardiot a essayé hein, sur l'intérieur du virage 2. Et on met la pression quand même, ça va être maintenant. S'il faut qu'il déclenche une attaque, c'est maintenant profiter peut-être de la glisse dans le virage 5. Comment entamer, mettre une corde un petit peu plus courte pour repiquer sur l'intérieur. Ouais, voilà, c'est ce qu'il a choisi. Non, ce ne sera pas encore assez avec assez de puissance. Il va rester un tour pour peut-être voir Christophe Cardiot aller chercher la victoire. Alors que Bruno Gaspard vient de passer un des pilotes ministériels, le carte numéro 20. Et ils sont nombreux également à faire le spectacle du ministère. Et voilà, il attaque maintenant. Le contre, immédiatement réalisé par Julien Guéguin. Passer avec le carte numéro 38. Il va rentrer lui aussi dans son dernier tour. Il fait partie des pilotes engagés ce matin sur la liste d'embargement. Allez, c'est fait. C'est fait pour Julien Guéguin. Il a été nullement inquiété. Sauf un peu la pression qu'on lui a mis hein, de la part de Christophe Cardiot, mais pas moi ni plus. Pour la deuxième position avec le numéro 19, Christophe Cardiot, suivi de Kevin Bigorgne.